sait que ces sauvages suivaient un instinct primitif, mais vers où? Le pouvoir du père les attirait-il, comme il m'attire?
père bâtit un palais sur le passage. L'entrée m'apparaîtra si je trouve la salle du trône. Je doute que quiconque s'occupera des fleurs désormais. Thank you.
salle du trône. Cet endroit est magnifique. Il n'y avait clairement pas que des guerriers assoiffés de sang ici. Je me demande si les Pâques sont héritées de leur culture.
qu'auraient-ils fait s'ils avaient été là à notre arrivée? On dirait la salle du trône du père. Ces histoires qu'elle m'a racontées la concernaient. Elle a tout vécu il y a 1000 ans de ça. Un genre de quartier privé. C'est écrit dans notre langue. Qui est passé par là alors? Pas Monroy, puisque ces gars n'ont jamais pu quitter le désert. Mais ces écritures ont bien 1000 ans. Bon. Ah, voilà. Ce doit être le passage secret du père. Personne d'autre n'y est entré au cours du dernier millénaire.
sceller le passage avec cet obélisque. Il doit bien y avoir un moyen de briser le sceau. Atuma a dit qu'il était rongé par ses visions. Le passé... tout. Waouh, la taille de ce puits. Voilà sûrement d'où provenait la folie du père. La folie du monde entier, même, certainement. A écrit dans notre langue il y a des siècles, à des galaxies de la Terre. Que savait-il d'autre? Qu'est-ce qu'il a bien pu trouver au fond?
machine aurait mis des décennies. À lui seul, il fut capable de façonner sa réalité comme on façonne l'argile. Ses pouvoirs devaient être inégalés. Peut-être. Nom de Dieu, ça en fait des créatures. Mais rien ne bouge. C'est presque apaisant. Le père construisait une armée en état de stase ou quoi? Pour quelle raison? Toujours immobile. S'il gardait quelque chose, il se serait réveillé. Je ne suis peut-être pas la menace qu'ils attendent. Enfin, je vais pas me plaindre. Autant rester discret. Cet endroit devait appeler toutes ces bestioles à venir ici. À rejoindre les rangs de l'armée du Père. Combien de créatures d'Enoch ont été attirées ici? Appelées par le Père. Merde! Et si c'était là que tous ces grands gaillards se rendaient?
rejoindre les rangs de l'armée du Père. Cet endroit devait appeler toutes ces bestioles à venir ici. À rejoindre les rangs de l'armée du Père. Combien de créatures d'Enoch ont été attirées ici? Appelées par le Père. Merde! Et si c'était là que tous ces grands gaillards se rendaient? Cet endroit devait appeler toutes ces bestioles à venir ici. À rejoindre les